Bonjour à tous et bienvenue. Faire de vos clients, faire de vos prospects les personnes les plus importantes de la relation que vous avez dans votre entreprise est une stratégie simple à mettre en place et efficace. C'est le pari qu'a fait un grand groupe bancaire français. Et donc, on se retrouve tout de suite après la pub. Premier plan séquence, nous voyons des pieds de gens qui marchent, des gens très différents, de par leur look, on voit des chaussures de ville, hommes, femmes, on voit des baskets, on voit même une personne en situation de handicap. Bref, des gens qui marchent, pas forcément avec un but très clair, pas forcément avec un but très précis. Séquence suivante, nous continuons à voir tous ces gens qui marchent, mais de manière un peu plus précise. On les voit marcher à travers le monde réel tout d'abord, puis à travers le monde virtuel pour l'amusement, puis après dans le monde virtuel avec le data center pour le travail. Et ces gens continuent de marcher. On sent qu'on veut nous dire quelque chose, mais l'idée ne se précise pas, ça reste très vague. On pourrait même dire que c'est une mauvaise publicité parce qu'elle n'est pas ciblée. Mais la suite va nous démontrer le contraire. Dans ce plan séquence, l'idée commence à se préciser. Tous ces gens marchent pour travailler, pour se rendre utile, donc que ce soit à travers des métiers, on va dire, traditionnels comme la cuisine, la pâtisserie, des métiers plus modernes, moins artisanaux comme la recherche. Ce qui est intéressant, c'est que l'on met aussi également un ouvrier sur un chantier de construction, donc on intègre la notion de construction dans la publicité. On finit par un métier un petit peu oublié, un petit peu compliqué comme celui d'ostréiculteur, pour arriver au métier qui fait rêver tous les petits garçons à un certain âge, celui de cosmonaute, d'explorateur d'une autre planète. Ce n'est pas le monde qui avance, c'est vous qui le faites avancer. C'est vous l'avenir, Société Générale. Voilà, donc dernier plan séquence, on retrouve une galerie de portraits, de visages. Là, ce n'est plus les pieds, mais on donne une identité à ces personnes qui marchaient au début de la campagne publicitaire. Et donc la Société Générale assène son slogan en disant que ce n'est pas le monde qui avance, ce sont les personnes, donc ce sont ses clients, ses prospects qui le fait avancer. Une autre chose qui est très intéressante dans ce spot publicitaire, c'est que généralement en marketing, on dit qu'il faut absolument cibler son audience, que c'est super important de cibler et que plus votre ciblage va être précis, plus vous allez toucher des gens qui seront prêts à acheter vos produits et services. Et là, la Société Générale nous dépeint un large panel de personnes avec des métiers différents, des aspirations différentes, qui sont de sexe et de couleurs différentes, qui viennent de points du globe, du monde complètement différent. Et pourtant, ils ont un point commun. Et c'est là que le ciblage est très très fort. C'est que toutes ces personnes, au travers de ce qu'elles font, au travers de ce qu'elles peuvent faire à travers le monde, qu'il soit réel ou virtuel, changent le monde et le font avancer. Et là, la Société Générale, en quelques secondes, nous dépeint le portrait de son client idéal. Cette analyse est désormais terminée. Comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter, partager, me suggérer d'autres publicités que vous souhaiteriez voir analysées et surtout, si vous avez des questions sur comment transposer les stratégies des grandes entreprises dans votre activité, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle publicité, pour une nouvelle analyse, toujours sous l'angle du marketing.